Maman? Ma chérie, c'est moi, c'est maman. Pourquoi tu m'appelais plus? Je me suis inquiétée. Je sais, Madeleine, je sais. L'ambassade avait coupé la ligne. Des vrais cons, ces diplomates, je te jure. Et comment t'as fait là? Figure-toi que je suis tombée sur une dame très gentille. Bon, on comprenait rien à ce qu'elle racontait avec ton père, je te jure. C'était assez Et folklorique. donc? Et donc, je l'ai convaincue d'ouvrir une nouvelle ligne téléphonique. Et me voilà. Tu me demandes comment je vais? Comment vas-tu, ma chérie? Ça va. Ça commence à être un peu long. Es-tu peint? Tous les jours, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Fais attention à ce que tu peins quand même, ma belle. Comment ça? Fais attention, tu vas pas t'y mettre toi aussi. T'énerve pas, Madeleine. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose, t'es pas en vacances. Tu te rends compte que t'es enfermée à cause de ce que tu peins quand même. Pardon, je sais, t'y es pour rien. Je sais, c'est dur ce que tu vis, mais n'oublie pas, t'as de la chance d'avoir une mère qui met tout en œuvre pour toi. On sera toujours là pour te soutenir avec ton père. D'ailleurs, on t'a jamais empêché de faire ce que tu voulais. Même si entre nous, ça gagne pas une pépette, Ouais, hein. maman, je pense qu'on a assez échangé sur mes problèmes. Bonne soirée! Ah, bah ça y est! Sa maman l'a enfin rappelé. T'étais où encore, toi? T'étais où encore, toi? Elle a pas demandé de mes nouvelles, la mère Mireille? Elle abuse. J'avais des obligations, figure-toi! J'étais occupé. Tes obligations, t'es malade, toi. Mais oh, c'est pas moi qui expose des trucs féminismes dans des pays un poil chatouilleux. Ah, commence pas. En même temps, tu m'étonnes qu'ils te laissent enfermer dans une maison qui pue le bolchevisme. Ça sent rien, Simon. Ah, ça sent l'embrouille. Mais bon, maintenant que je suis là, t'es plus toute seule. T'existes pas sans moi. T'es folle sans moi. Oui, c'est vrai ça. Ébranlée. Plus organique. Concupiscent. Moins charnel. Moins charnel. Toi, plus ça va, plus tu ressembles à ta mère. Fais gaffe, tu lui ressembleras aussi. Oh, mais quelle infamie vous m'infligez, dame Lefèvre. Comment osez-vous me considérer telle une créature prisonnière de votre changement d'humeur? Je suis ivresse. Je suis folie et je ne me plierai pas à votre ennui qui n'est qu'à mourir. Oui, c'est pourquoi? Oh, entrez, entrez, ne soyez pas timide. Ça va pas mieux, toi. Oh. Hé hey! Il y en a pour combien de temps encore? Il est dans ma buste, là. Do you speak English? No English, no French. No talking. Oublions ces affreux personnages et revenons à ce que nous sommes venus contempler. Là, partout autour de vous, les fauves sont lâchés. Et ils s'appellent Henri Matisse, Guillaume de Vlaminck, Charles Camoin, Marc Chagall, Henri Camoin. Dans leur quête de la couleur, les peintres du fauvisme ont démoli tous les murs pour laisser place à la liberté picturale. Et Henri Matisse, en bon chef de file, mène contre la morosité la guerre la plus paisible que l'humanité ait connue. Bon, Mad, faut qu'on discute là. Ça peut attendre, non? Mais t'en as pas marre d'attendre? Attendre qu'on reconnaisse ton art? Attendre que ta mère t'appelle? Attendre qu'on te livre les courses? Attendre qu'on te sorte de là? Déjà, fais attention à ce que tu dis. Et tu sors ça d'où? Mais personne te sortira d'ici, Mad. Tu vois pas qu'on est en prison, là? Mais tu dis n'importe quoi, hein. Tu préfères qu'on soit dehors sans défense avec des gens qui brûlent les musées? Fais, ma pauvre Madeleine. Le seul truc qui brûle, c'est mon envie de te secouer. Arrête la parano. On sortira quand ce sera plus calme. On sortira quand ce sera plus calme. Tu t'entends, là? Excusez-moi, je cherche Madeleine Lefèvre à l'appareil. Oh, mais vous lui ressemblez beaucoup, mais...
Mais c'est pas elle. Allez, stop. Je te reconnais plus, là. Tu fais des milliers de kilomètres pour faire une résidence sur la Rébellion, et toi, tu restes là, tranquille, dans ton bain, à attendre que ça se tasse. On n'est pas en sécurité, ici. Mais ma sécurité, c'est aussi la tienne. Putain, c'est quoi ton vrai problème, Siméon? C'est être prisonnier de moi, c'est ça? Parce que t'es libre de partir, en fait. Quoi? En fait, t'aimes ça. Ah, tu aimes cette pseudo-vie de l'artiste solitaire et tourmenté qui s'inspire de son malheur? Oh, fichtre! Que de mauvaises personnes ici! Le monde va mal et les détracteurs sont à mes trousses! Ça suffit! Mais tiens, regarde-toi dans les yeux! Et dis-moi! Dis-moi que tu as vraiment peur, car il y a des gens dehors qui te veulent du mal. C'est toi qui as peur. L'orgueil et le déni ne sont pas tes amis! Comme dit ta mère. Merde! Comment ça, disputer? On a eu une discorde à propos d'un sujet sensible. Enfin, une dispute, quoi. Quel genre de sujet, Madeleine? Le sujet qui met personne d'accord, j'imagine. Il a des doutes sur les raisons de mon enfermement. Et c'est marrant parce qu'il y a une part de moi qui pense vraiment qu'on m'a mise ici pour me protéger après ce qui s'est passé à l'expo. Mais dans le fond, je me dis que je pourrais pas en être sûre tant que j'ai pas mis le nez dehors. Mais Madeleine, enfin, bien sûr que c'est une histoire de protection. Bien sûr qu'il y a des gens qui veulent du mal aux artistes. Je pensais que ça t'était passé de croire ce qu'ils t'ont raconté. Je pensais vraiment que t'avais réussi à te sortir de là en voyageant, en rencontrant du monde avec le métier que tu fais. C'est peut-être pas idéal, mais je peux rappeler le docteur Friesman si ça peut t'aider. J'ai pas besoin de médecin, maman, je suis pas malade. Enfin, Madeleine, on sait bien que tu vois pas les choses comme nous. Ça t'aide peut-être pour ton art, oui, d'accord. Mais je vois bien que ça te trouve. Maman, je veux pas rentrer dans ce débat. On pourrait reprendre le traitement qu'on t'a fait essayer il y a quelques années. Bon, je sais, c'est un peu radical, mais ils ont diminué les effets secondaires. Maman, j'ai vraiment pas envie d'avoir cette discussion. On peut changer de sujet? Enfin, c'est toi qui mets le sujet sur la table. Bon, comment elle va, mamie? Mamie, elle va bien. Elle s'inquiète pour toi, mamie. Tiens, devine qui j'ai croisé l'autre jour. Martine. Martine, l'ancienne voisine, tu te souviens? Ah bah, figure-toi que son mari l'a quittée il y a 2 ans. Crac! La pauvre, ça a pas dû être facile. Pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, ça. Si tu dois bien retenir une chose, ma fille, c'est que le destin jouera toujours des tours et que l'on aura beau faire... Maman, je suis un peu fatiguée, je vais aller me reposer. Enfin, au revoir, maman, bonne soirée. Newspaper. In French.
Ah, French newspaper. Fais voir ça. Ah, mais c'est la newspaper d'ici, mais traduite. Ouais. Mais on s'en fiche parce que c'est des nouvelles d'ailleurs que chez ma mère. Un point pour toi. Oh, ça parle d'art. Où ça? Là. Une exposition qui tourne mal. Ça te rappelle rien? Oh, c'est croustillant. Lis la suite. Lis la suite. 5 artistes locaux et étrangers organisent une session de création artistique au cours de laquelle se produisent des œuvres à caractère sexuel et pleines d'agressivité. Dans un discours corrompu par des mœurs discutables. Une résidence qui choque le public et qui décrédibilise l'existant patrimoine artistique. Deux d'entre eux ont été arrêtés et assignés à des travaux d'intérêt généraux, tandis que les étrangers ont été renvoyés dans leurs pays respectifs sans débordement. L'État reste à la recherche de la 5e artiste d'origine française, aussi présente lors de l'exposition mais qui demeure introuvable. Elle aurait disparu quelques jours avant que l'armée n'intervienne. J'aime pas tellement enfoncer des portes ouvertes, mais comme t'as l'air d'être un petit peu face au mur, face au matelas, mais je pense. Madeline, tu veux vraiment pas savoir ce qu'on fout ici? Oui, bah moi aussi je suis un peu constipé, hein, mais ça c'est le bœuf carotte d'hier. J'ai dit que personne ne me connaissait ici, moi je vaux rien. Mais non, mais ma chérie, tu sais très bien que tu seras toujours la première dans la course de mon cœur. Mais non, mais réfléchis, ça fait pas de sens. Je fais que ça, Mad, je fais que ça. Laisse-moi finir. Pourquoi tu enfermes quelqu'un dont personne ne parle et qui fait pas plus de vagues qu'une résidence un petit peu ouverte d'esprit? Un petit peu ouverte d'esprit? Le mot est peut-être un poil léger, tu trouves pas? Siméon, quelqu'un d'inoffensif, tu l'enfermes parce que tu veux le protéger ou parce que tu lui veux du mal? Attends. Et allez, un billet qu'elle appelle sa mère. C'est vrai? Rien de grave, j'espère. Non, juste une bonne bronchite. Plus de peur que de mal. Et puis tu connais Janine, c'est une dure à cuire. Ouais, j'espère que ça va aller quand même. Au fait, je voulais te demander quelque chose. Oui, tout ce que tu veux, ma chérie. T'as besoin que je fasse passer un message à tes amis? Ouais. Tu peux leur dire que je vais bien? Non. En fait, je pensais à autre chose. Est-ce que tu peux m'aider à trouver des infos sur qui m'a vraiment mise ici, peut-être en passant des coups de fil à l'ambassade? Parce que j'arrive à joindre personne, moi. Ouais. Je vois ce que je peux faire. Mais pourquoi tu te poses toutes ces questions? Je sais pas, j'ai des raisons de penser que c'est louche, tout ça, j'aimerais bien en savoir plus. Parce que la maison au milieu de nulle part, l'enfermement, les courses... C'est encore Siméo, t'as bonne raison. Maman... Ouais, bon, je vais appeler l'ambassade demain, mais tu sais, je vais sans doute pas être très bien reçu à tous les appels que j'ai passés. Maman? Maman? Danse de la faim. Tu prends de la drogue? Et toi, Madeleine? Depuis quand tu parles russe? Mais c'est trop bizarre. C'est comme si j'avais déjà entendu ça. J'ai vu ça. Danse de la faim. Ça te dit rien, toi? C'était le tableau bleu dans la salle à manger chez tes parents. T'es resté devant à chaque fois que tu finissais pas l'horrible fenouil de ta mère. Non, merci pas pour le fenouil, hein, c'était gratuit. Mais c'est ça? Oh, je l'adorais, ce tableau. Avec ses danseuses, elles étaient si belles. Non? Mm-hmm. Merci, Madeleine. Quand j'étais petite, les danseuses, elles me faisaient penser à des nuages. Je lui faisais un peu peur, mais on aurait dit des nuages qui flottaient. Il y avait une espèce d'atmosphère un peu sombre et vaporeuse à la fois. J'adore. Et il n'y a rien qui te chicote dans cette histoire? Attends. Ah, bah enfin! Qu'est-ce que ça fout sur ce papier? Arrête de parler de Siméon, ça suffit. Et pas trop tard l'expo ce soir, hein? Il y a école demain. Si tu veux être artiste. Sois Madeleine, dépêche-toi. Madeleine, dépêche-toi. On va être en retard chez le docteur Kessal. Madeleine, dépêche-toi.
J'hallucine. Oh, elle parle. Laissez-moi, elle parle. Non. Mireille! La famille Lefebvre, ici! Oh, mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Ouais, ils ont toujours voulu me supprimer. Mais Siméon est plus fort que ça, ouais! Arrête! Là, c'est une adresse? On dirait. Ok, on y va! Non, on y va pas! Comment ça, on y va pas? Mad, on vient de trouver un indice, là! Tu veux vraiment pas savoir ce qu'il y a là-bas? Je veux rien savoir, Simon, ça m'intéresse pas. Savoir où tu vas comme ça. Chut. Attends, j'arrive. Je suis fier de toi. Eh ben, heureusement qu'on t'a pas demandé de t'échapper de prison. Tu serais foutu. C'est pas toi qui disais qu'on était en prison? Mad, si t'écoutais tout ce que je disais, on serait déjà enfermé, tu crois pas? Absence sont mes ténèbres. On m'a dit.